beat happy. Let's go. Come on. Jehovah, you.
chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Nous allons prier pour commencer. Nous allons tous remercier Dieu qui nous a protégés durant cette semaine, particulièrement ce jour où nous sommes sortis, nous sommes allés, nous sommes revenus. D'autres sont restés à la maison, d'autres ont fait des activités, mais nous tous, le Seigneur nous a gardés, nous a protégés. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de particulier, c'est pas parce que nous sommes plus intelligents, mais parce que le Seigneur nous aime, parce que sa grâce est sur nous. Nous allons maintenant prier, lui dire merci. Prions et remercions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, je veux te dire merci en ce moment. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te glorifier pour tout ce que, Seigneur, tu ne cesses de faire pour nous. Sois béni, sois adoré, sois éclaté, sois magnifié pour tout ce que tu fais. Merci parce que, Seigneur, tu es bon. Merci parce que ton amour pour nous est insondable. Merci parce que ta grâce pour nous est, Seigneur, Seigneur, Dieu, gloire et honneur à toi. Sois béni et sois adoré. Merci pour, Seigneur, ta protection. Merci pour tout ce que tu es. À toi la gloire, merveilleux Père. Nous voulons, Seigneur, ce soir te témoigner notre gratitude. Tu as été un bon Dieu. Tu as été un Dieu, Seigneur mon roi, incomparable. Tu as veillé, tu as gardé, tu as protégé. Seigneur, je ne sais même pas quel mot utiliser pour exprimer tout ce que tu, Seigneur, ne cesse de faire dans notre vie. Sois béni, sois adoré. Sois exalté, sois loué à jamais, Seigneur, tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer la prière et à remettre ce que nous allons faire ce soir entre les mains de Dieu. Lui dire qu'il est le Seigneur qui va nous enseigner, nous instruire. Lui seul peut nous instruire. Seigneur, c'est pourquoi nous allons l'inviter, inviter le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit qui nous conduira, parce qu'il a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'il vienne ce soir nous conduire dans toute la vérité. Qu'il vienne ce soir, il a été dit aussi que quand il sera là, il va vous diriger, il va vous montrer le chemin. Qu'il nous montre le chemin vers Dieu ce soir. Prions. Saint-Esprit, nous voulons te dire que nous sommes à tes pieds. Nous voulons te dire que fais ton travail. Parce que, Seigneur, il a été dit de toi que quand tu viendras, tu vas nous conduire dans toute la vérité. Quand tu seras là, tu vas, Seigneur, tu seras un père pour les orphelins. Papa, tu vas nous conduire. Je ne vous laisserai pas orphelins, a dit Jésus. Je vous enverrai quelqu'un. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Que, Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Comme un père instruit son enfant. Comme un père dirige son enfant. Comme un père donne la direction à son enfant. Comme un père éduque son enfant. Nous sommes, Seigneur, attentifs à toi maintenant, que tu puisses nous éduquer, Seigneur, nous montrer le chemin de la vie éternelle, le chemin vers Jésus-Christ, le chemin vers Dieu. Papa, nous voulons, Seigneur, toi, que toi seul tu prennes contrôle. Merci parce que, Seigneur, tu es bon. Merci parce que tu fais ton travail. Merci parce que, Seigneur, nous serons bénis. Merci parce que, Seigneur, tu ne nous laisseras pas. Tu vas, Seigneur, être à nos côtés. Merveilleux. Je bénis ton nom, je te loue, je t'adore, je te glorifie parce que tu es bon, à toi seul la gloire. Merci pour ce soir, tout ce que nous allons faire, que ton est, Seigneur mon roi. Nous allons sentir ta présence, nous allons sentir, Seigneur mon roi, que tu es là et que tu nous diriges. Dirige-nous, dirige notre pensée, ouvre notre entendement. Ouvre notre pensée, afin que nous puissions comprendre, que nous ne soyons pas des hommes lents à comprendre, comme tu as dit aux gens d'Emmaüs, mais Seigneur mon roi, que nous serons, Seigneur mon roi, des gens prompts à comprendre tes voix.
Merci parce que tu es patient avec nous. Merci parce que tu nous, Seigneur, secours. À toi la gloire. Merveilleux, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es bon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur pour son amour. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce ce soir. Il n'y a pas d'interprète. On n'a pas besoin. Ok, on continue. Le Seigneur a été avec nous durant toute la semaine. Nous voici et ce soir, nous sommes reconnaissants et nous allons continuer notre étude biblique. La fois passée, nous avons parlé de la question que nous traitons, le cas pratique que nous traitons. Donc, nous a amené à parler de la famille de Noé. Nous avons examiné le rôle que chacun a joué dans la famille de Noé. Et nous avons beaucoup parlé. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la question que Dafilo avait posée. Donc, le pasteur, l'autre fois, avait demandé à Dafilo de nous donner clarification sur certains points. Donc, Dafilo, nous allons vous remettre la parole pour nous donner des clarifications. Merci. Alléluia. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Alléluia, nous sommes tous bénis dans le nom de Jésus. Ouais. Je ne sais à quel point le pasteur avait demandé de clarifier. Si, s'il vous plaît, mon pasteur, si vous pouvez reprendre la question. J'avais demandé à savoir, la femme qui a donné l'enfant avant la mort du père adoptif. Bon, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quel a été l'accord entre lui et ce père adoptif pour que ce père adoptif accepte l'enfant, élève l'enfant? Jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge adulte sans rien révéler. Bon, est-ce que le père adoptif, sa famille était au courant? Qu'est-ce qui a été conclu? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, le véritable père, a-t-il réagi avant que l'enfant atteigne l'âge adulte? N'a-t-il jamais réagi? Pourquoi? Quel est son état? Okay. Est-ce que sa famille est au courant? Et qu'est-ce que sa famille aussi dit? Ce que je peux dire dans tout ça est que c'était la fille en question qui racontait l'histoire. Et elle avait dit que pendant son enfance, elle était reconnue comme elle n'était pas l'enfant du père adoptif. Et elle avait demandé, elle avait posé la question à sa maman, pourquoi elle autre, elle ne ressemblait pas ni à son papa, ni à ses frères et sœurs. La réponse de la maman était, tu étais née d'un amour.
à l'issue d'un amour. Ou bien tu étais issu d'un amour. C'était la réponse de la maman. Et le jour où la maman avait déclaré la vérité à sa fille, elle était adulte, elle était enceinte, elle avait dit qu'elle était enceinte de 6 mois des jumeaux avant que le papa adoptif était mort. Tout ce qu'il savait, ce qu'elle savait est que son papa adoptif l'aimait plus que les autres grands frères et grandes sœurs. Elle avait tout. Il avait fait tout pour sa réussite. Et après quelques mois, la mort de son papa adoptif, quand elle avait accouché les jumeaux, elle s'est rendue à la maison chez sa maman pour que, d'habitude. Et c'était le jour-là où la maman l'a pris et l'a fait asseoir sur son lit, qu'elle a quelque chose à lui dire, que c'est un secret, de ne dire à personne. Et la fille écoutait la maman en disant que, tu sais, le papa adoptif, ce n'était pas ton papa. La fille était étonnée, surprise, bouleversée. Ce que sa réponse à la maman est que ça ne fait rien. La deuxième, c'était, est-ce que mon papa adoptif avait su? Et la maman répondit oui. Et c'était ça. Donc, elle culpabilisée, stressée, et tout était arrivé. Comme il a supporté, ou bien il a enduré cette épreuve durant des années. Et voyant qu'elle s'effondrait, c'est un jour qu'elle avait appelé sa grande sœur et elle avait dévoilé le secret à sa grande sœur. Et la réponse de la grande sœur aussi était que ça ne fait rien. Même si tu n'es pas, nous ne sommes pas le même père, tu es toujours ma grande sœur. Et après ça, elle était un peu soulagée. Et la maman aussi était un peu nerveuse parce qu'elle avait fait sortir le secret. Parce qu'elle avait dit, ne parle à personne. Elle a dit, OK, mais comme elle mourait, et c'était un cadeau empoisonné, elle ne pouvait pas supporter. C'est de là qu'elle a appelé sa grande sœur pour la dire. Et les autres frères et sœurs l'ont appris de suite. Et après ça, elle a commencé à chercher le papa de sang. Et la maman lui avait dit que c'était son parrain. Donc peut-être, et elle avait cherché, elle était sur l'internet cherchant le monsieur, elle avait trouvé. Et elle a appelé ou bien elle avait envoyé un message. Et le père en question, le vrai père de sang, lui a répondu. Et dans tout ça, là, qu'est-ce que tu cherches encore? C'était la réponse du papa biologique. Mais la fille a continué, elle a retrouvé sa tante. C'est de là que la tante dévoilait le secret qu'il y avait mais sa tante entre sa maman et son père adoptif, et c'était et son grand frère qui, je ne sais pas, bon, et qui avait allé vers sa maman et on l'a conçu que c'était un secret. Mais voyant sa tante et ses cousins, cousines, elle se ressemblait plus à ses tantes, mais qu'elle n'a jamais vu le papa
de sang. Et après cela, le papa de sang aussi était mort. C'était l'histoire. Merci. OK. Bon, d'accord, continuez d'abord. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments flous encore. Continue quoi encore? J'ai fini. Non, je parle à l'enseignant. OK. Je parle avec vous. Merci. OK, merci. Nous venons d'écouter l'histoire et nous allons essayer de répondre. La quiétude de Daphilo en racontant l'histoire, c'est de savoir est-ce que c'est bon de, puisqu'on a dit à la fille de ne pas parler du secret, c'est bon de parler du secret. Daphilo, c'est ça, non? Allô, Daphilo? Oui, pardon, j'ai... C'était la confidence qui a été dévoilée, c'est ça, oui. Votre... Entre la fille et sa maman. OK. Et comme la fille ne supportait pas ce secret, et elle a appelé sa grande sœur pour la dévoiler. C'était ma question. OK. OK, la façon dont j'aimerais traiter ça, comme nous l'avons fait au cas de Noé, je veux seulement parler du peu que nous connaissons de l'histoire et voir le rôle de chacun. Comme on ne maîtrise pas tous les paramètres de l'histoire, ici ce n'est pas dans la Bible, c'est une histoire vraie qu'elle a appris. La prise de réponse des médias. Donc, nous allons analyser. Et s'il y a quelqu'un qui pose une question de clarification, si vous avez les éléments, c'est bon. Donc, nous allons analyser le rôle de chacun ici. Donc, je veux prendre d'abord la maman. Et je ne pense pas que nous allons nous attarder. C'est une proposition, hein. Sur le fait que la maman a dépouché. Ce n'est pas le nœud du problème ici, selon moi. Mais c'est après qu'elle a conçu l'enfant, son mari a accepté l'enfant. L'enfant a vécu avec ce secret. La gestion de ce secret, c'est ça le problème majeur ici, selon ma compréhension. Donc, nous allons traiter de la gestion du secret et non du péché ou bien de façon de découcher pourquoi le papa a accepté, mais nous allons gérer la façon, selon la façon dont je comprends. Quelqu'un peut proposer autre, on va analyser pour répondre à la question. La gestion de ce secret, c'est ce que nous allons voir ici. Est-ce que c'est bon de parler ou bien est-ce que il faut garder ce secret jusqu'à mourir. Et c'est ça, comme ça, je reformule la chose. Donc, est-ce que la maman a bien fait de parler à sa fille? Le rôle de la maman ici, là, comment la maman a géré le secret? Comment nous comprenons? Analysons cela. C'est ma proposition. Bon, enseignant. Oui. C'est pourquoi il disait qu'il y a des paramètres un peu flous. Bon, mésentente. Est-ce que cette mésentente a fait que la femme a quitté son mari pour un temps et elle est revenue avec la grossesse? Quand elle est revenue avec la grossesse, bon, quel âge... c'est-à-dire, est-ce que la grossesse était déjà visible? Parce que ça aussi, ça joue beaucoup sur la notion de confidence. OK, je ne pense pas que ces détails sont donnés, mais
Ce que je comprends, la philo peut me corriger si ce n'est pas le cas, si elle a des informations, puisque c'est elle qui a écouté cela. Et je pense que beaucoup de personnes ne sont pas au courant que la fille n'est pas la fille de ce monsieur, le monsieur K, quand je le nomme comme ça, le monsieur K qui n'est pas le père biologique. Beaucoup de personnes ne connaissent pas, ne savent pas que la fille n'est pas, mais de la façon dont je comprends, le père biologique sait qu'il a eu un enfant. Aventure, c'est une aventure au grand, une aventure avec la maman. Et la grossesse est sortie, mais je ne sais pas s'il a réclamé, il n'a pas réclamé, mais là, je comprends qu'il n'a pas réclamé parce que c'est quelque chose d'imprévu à cause d'un problème dans le foyer. Et la femme s'est jetée dans la main d'un autre homme et elle a eu la grossesse. Mais le papa, ce que je pense comprendre, c'est que le papa a pris la fille, a accepté la fille, corps et âme. Donc, c'est ce que moi je peux dire, c'est-à-dire, c'est de mes analyses hein, de l'inquiétude, de le passer par là, de partie floue là. La Oui, philosophie, ce n'est pas bon, clair. je vois votre analyse. C'est qu'il y a eu des cas typiques. Il y a des cas typiques où des femmes mariées ont quitté le foyer, ont fait même d'autres foyers, et après sont revenues. Bon, il y a eu des cas typiques où la femme était chez ses parents et en ce moment, il y a eu un nouveau candidat, alors que le vrai mari aussi revenait. Bon, vous voyez, tous ces éléments, ça joue un peu sur la confiance. Et puis, un autre élément, vous êtes de la santé. Si elle est revenue, par exemple, si la grossesse avait 2, 3 mois, 4 mois, la famille du monsieur, quand une femme est enceinte, les femmes remarquent ça vite. À quel âge la grossesse, le monsieur, est-ce que c'est la grossesse que le monsieur a acceptée? Est-ce que c'est l'enfant que le monsieur a accepté? Ce sont des parties qui ne permettent pas que je puisse vraiment voir la gestion de la confidence. C'est pourquoi je pose ces questions, quoi. OK, la façon dont moi je propose, c'est que nous analysons, si c'est le cas, on met des conditions et on analyse parce que les choses racontées au niveau des médias sont des histoires vraies, mais ils essayent de ne pas aller dans les détails pour que on n'expose pas totalement les choses, la famille. Donc, je propose qu'on prenne cas par cas. C'est-à-dire que si c'est dans ce cas, c'est comme ça qu'on doit gérer. Si c'est dans ce cas, c'est comme ça qu'on doit gérer. C'est ce que je propose. Mais je pense que quelqu'un demande la parole. C'est moi, Dafilo. Alléluia. Et l'explication de la réunion de l'autre femme avec la maman même. La maman même n'a pas expliqué ce qui s'est passé à la fille. C'était la tante. En cherchant son papa biologique, elle avait trouvé une tante. C'est vers elle que la fille était allée. Et il paraît que le monsieur biologique était l'ami ou bien parrain parce que et la maman l'a dit. Qu'elle était l'enfant de son parrain. Donc, c'est sûr que le monsieur en question, le papa biologique, était l'ami de la famille, mais qu'il avait un conflit entre le mari et son papa adoptif et sa maman. C'était court ce que la dame a raconté. Donc, la maman en question, elle n'a rien dit parce que la fille était très nerveuse contre sa maman. Pourquoi elle ne le savait pas avant la mort de son papa
et comment adoptif, et pourquoi dans ce cas qu'il se trouvait avec les bébés jumeaux et la mort de son papa adoptif, tout ça là. Donc il était énervé contre sa maman. La maman n'a rien expliqué. C'est la tante biologique. Elle a cherché, elle a trouvé cette dame. C'est la dame qui l'a dit, ok, c'était ça. Il y avait un conflit entre le papa adoptif et sa maman. Et il est sorti d'un fruit, mais c'était un amour. Donc, je ne sais si le monsieur biologique qui était celui qui arrangeait les conflits entre le couple. Et lui-même, il est tombé dedans. C'est vrai. C'était l'histoire. Je cherchais le show même, mais je ne le retrouve pas, sinon j'allais t'envoyer ça. C'était une histoire vraie. C'était une histoire française sur France 2 que j'ai raconté ça. Comme vous avez parlé du secret gardé, mais ça ne doit pas se dire. C'est pourquoi j'ai amené ce sujet. Pourquoi la fille a dévoilé le secret que la maman l'a confié? C'était ma question. Merci. OK. Nous allons, si vous êtes la formule que j'ai proposée, si ça va, on va analyser le rôle de la maman et on peut poser des conditions. Comme on ne maîtrise pas les paramètres et on ne peut même pas poser des questions pour comprendre. Donc, on analyse si c'est dans tel cas, quelle solution serait la meilleure. OK. Quelqu'un pourrait parler le rôle de la maman dans la gestion de ce secret. Alléluia, je peux parler encore. Non, parle-toi encore. Non, j'ai une réponse à amener envers la maman. Attends d'abord que quelqu'un réponde d'abord. Okay. C'est toi qui poses la question et tu commences par répondre en même temps. Donc, ça ne veut pas dire la question. Il faut laisser les autres. Autre, parle-t-on. Gardez le moulin d'affilo. Qui est autre? Maman Charim. C'est ton nom qui est affiché sur mon écran. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, quelle est la question encore là? J'étais en train de s'occuper des enfants là. OK, la question est de savoir est-ce que quel est le rôle que la maman, a joué? Que penses-tu du rôle que la maman a joué dans la gestion de ce secret? De toutes les façons, à mon avis, c'est un peu délicat. Hein. C'est un peu délicat. À mon avis, comme la chose s'est déjà passée comme ça, elle devait garder le secret. Elle devait garder le secret. Yeah. Parce que ce n'est pas tous les secrets qu'il faut dévoiler. OK. Selon Madame Salim, la maman a mal agi en parlant de ce secret-là à la fille. Que pensez-vous, vous autres? Oh, les gens ne veulent pas parler aujourd'hui. OK. Monsieur Anissé. Wow. Après Anissé, Diane se prépare. Je m'apprête à ouvrir mon micro comme on m'a dessiné. OK. OK, bien. Bonsoir, chers tous, et merci beaucoup, mon ouateur. Alors, pour votre question,
qui était de savoir pourquoi la maman a-t-elle dévoilé le secret ou quel est le rôle de la maman. La question, elle est un peu ambiguë. Oh, ma question de savoir, est-ce que la maman a bien fait de dévoiler le secret, le rôle qu'elle a joué dans la gestion de ce secret? Est-ce que c'est, comment vous le trouvez? Analysez cela, quoi. OK. Alors, pour ma part, je ne suis peut-être pas bien placé pour dire si c'est bien ou si c'est mal. Mais je reste moi-même pour dire, en réalité, des secrets de genre, de ce genre-là, ce sont des trucs qui pèsent énormément sur leur porteur. Parce que c'est un truc qui vous revient pratiquement de façon permanente et qui vous pèse là-dessus. Vous voyez peut-être l'enfant en train de développer certains comportements et vous vous dites intérieurement si seulement elle pouvait savoir que ce n'est pas son vrai-père. Est-ce que vous voyez? Aussi à l'intérieur de soi, vous avez comme impression que vous êtes injuste, que tous les autres enfants soient avec leur vrai père, connaissent leur vrai père, et qu'elle soit avec, qu'elle est pour père celui qui n'est pas vraiment son père. Vous avez un sentiment de culpabilité qui vous dit que non, mais c'est injuste, et qui vous, chaque fois, tape la bouche, qui vous pousse. C'est une grosse pression qui vous pousse à vouloir le dévoiler. Maintenant, dans la gestion proprement dite, je crois que le secret a été gardé solidement, certainement pour l'harmonie de la famille. En ce sens, peut-être que je connais aussi d'autres couples. Je connais des couples où ils ont eu des enfants comme ça. Bon, le problème n'était pas similaire, où l'homme peut-être avait des difficultés à la procréation et la femme va au dehors piquer la grossesse et ramène ça et les deux l'entretiennent égal le secret. Ouais, est-ce que vous voyez? La raison majeure de ce secret gardé aussi longtemps doit être certainement pour l'harmonie de la famille. Et si l'exemple que je viens de donner est, c'est parce que souvent, il y a une raison qui ne va pas à l'avantage du vrai père. Parfois, c'est qu'il n'a peut-être pas les moyens de s'occuper des enfants. Parfois, c'est que sa relation avec la famille ne permet pas qu'on puisse, à visage découvert, dire que c'est lui qui en est le père. Oui, plusieurs raisons sous-tendent cela. Mais le secret est gardé afin que l'harmonie de la famille soit, pour que les autres enfants ne distinguent pas telle sœur, tel frère de tel autre, qu'ils sachent qu'ils sont du même père, de la même mère, pour garder un lien solide. Je crois que ça doit être la raison majeure. Maintenant qu'elle a grandi, sans oublier la pression permanente que la maman a, c'est-à-dire une pression permanente interne, de dévoiler ce qu'elle a, au moment où elle a certainement grandi, la maman n'en pouvait plus. Et elle-même, ne sachant pas quand Dieu va l'emporter ou bien quand Dieu va la rappeler, elle a décidé de livrer cela avant que là nous sommes. Bon, c'est ce que moi je peux dire. C'est ce que je pense.
je ne sais pas si j'ai j'ai adressé la question. Oh, ok, oh. Ce sont des analyses. Il n'y a pas quelqu'un qui... Mais nous sommes tous âgés, nous comprenons les choses, c'est difficile. Et chacun analyse de sa manière. Donc, je vais demander encore à d'autres personnes pour analyser. J'avais appelé Abra, Yedi. Oui, ok. Ce que moi, je peux dire dans toute l'histoire, c'est que peut-être ce qui a vraiment marqué la fille que je peux invoquer ici, c'est parce que elle n'a pas cru à ce que la maman lui a dit, que son père qui l'a élevé ne savait vraiment pas s'il savait que qu'elle n'était pas son propre enfant ou pas. C'est une façon pour moi d'analyser ce qui s'est passé. Peut-être si la maman lui avait révélé le secret avant que le père ne meure, peut-être sa réaction serait un peu différente parce que maintenant le père n'est plus et puis la maman lui dévoile le secret. Donc pour elle, elle ne croit pas à ce qu'elle lui a dit. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai ajouté. Peut-être si quand le père était en vie et puis le secret a été dévoilé et puis les deux parents ont appelé la fille pour lui dire, peut-être sa réaction serait un peu différente. C'est ce que moi j'ai à dire. Ok. Je voudrais compléter quelque chose à ce que j'ai dit si vous n'y trouvez aucun inconvénient. Yeah, vous avez quelques secondes. Merci. Voilà. Si la famille était une famille, par exemple, chrétienne, apparemment, quand on parle de parrains, c'est qu'on est en train de se référer à des familles certainement catholiques. Donc, qui lisent un peu la Bible et tout. Et si ils sont arrivés à lire le verset selon lequel, lorsque le seul motif de divorce avec ton épouse doit être le flagrant délit d'adultère. Mais la Bible continue et dit, mais quand tu la divorceras, tu ne te remarierais pas. J'avais l'habitude de dire que quand ça m'arriverait, non, ça ne m'a jamais arrivé au nom de Jésus, que tout sera terminé. Et une personne sage m'a dit, mon frère, il faut seulement prier que ça ne t'arrive pas. Parce que c'est beaucoup plus sage. C'est beaucoup plus sage pour toi de ne même pas fait entendre ça d'une seconde oreille que de la vilipender, que d'agir ainsi, de la divorcer, parce que quand vous arrivez là, tu ne sais pas tout ce qui t'attend. Si tu veux être conforme à la parole, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu vivras seul le restant de ta vie. Maintenant, si tu décidais de désobéir à l'Éternel, les conséquences sont toujours quand même là. C'est que tu vas te mettre dans une nouvelle aventure dont tu ne connais pas encore les tenants et les aboutissants. Alors qu'avec celle avec qui tu étais, tu as eu la chance de la connaître. Vous avez là eu la chance de vous adapter l'un à l'autre. Et l'Éternel,
qui est notre Dieu, que nous offensons tout le temps, nous pardonne tout le temps et voudrait aussi que nous faisions pareil. Donc, quand je ramène ça à la famille, et cela peut être pour garder une certaine dignité aux yeux de ceux qui vous entourent, afin de toujours rester dans le lien du mariage. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est-à-dire, on veut ce qu'elle a fait, je le sais. Normalement, un homme digne, je ne la réponds plus. Frère Nissé. Oui. J'ai des difficultés à te comprendre. Je veux qu'on me suive dans mes questions parce que j'ai l'impression, depuis quand je pose la question, que les gens quittent le sujet pour, pas que tu es hors sujet, mais il laisse la personne que j'ai désignée pour parler de l'autre personne. Je veux qu'on soit logique, c'est-à-dire suivre le déroulement pour aboutir à une conclusion. J'ai dit de ne pas parler de ce qui s'est passé, de la gestion seulement de la femme, comment elle a géré, la façon dont elle a géré le secret. Est-ce que dans ces cas-là, est-ce que vous êtes obligé de parler ce que vous avez dit premièrement, j'ai compris, que la pression, tout. Parce que vous dites maintenant, j'ai des difficultés à vous comprendre parce que vous êtes allé dans le truc, le monsieur a accepté la femme. Est-ce que ça a relation avec ce que nous disons, comment la femme a géré? C'est là où j'ai des problèmes. Effectivement, c'est normal que vous perdiez un peu. En fait, j'avais donné les motifs qui ont certainement poussé la femme à se débarrasser du secret. Et dans mon complément, je suis en train de donner, de compléter les motifs qui ont certainement poussé la femme à garder le secret aussi longtemps. Je ne sais pas si vous retrouvez. OK. Parce qu'il faut avoir gardé pour livrer. Donc, j'avais démontré pourquoi ça a été livré. Maintenant, je suis en train de démontrer pourquoi ça a été gardé. Et je donnais des hypothèses pour les décisions. Je ne sais pas si on est sur la même page. OK. Ça, si c'est un motif qui vous complétez, ça va, il y a complet. OK. Donc, je vais m'arrêter là pour permettre aux autres de s'exprimer. Merci. Merci. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore parler? Je peux parler? Yeah, vas-y. OK. Selon moi, tant que la femme a gardé le secret jusqu'à la mort de son mari, donc ça veut dire que les deux se sont attendus pour garder le secret. Et ce n'est pas après la mort du mari qu'elle va dévoiler le secret à la fille, parce que la fille lui avait demandé ça avant. Et elle s'est tuée, elle n'a pas dévoilé le secret. Donc, comme ils se sont attendus, le secret doit être gardé secret jusqu'à sa mort, elle aussi. Selon moi, c'est ce que je pense. Donc, elle a mal fait de dévoiler maintenant le secret après la mort du père adoptif, et maintenant la fille ne peut pas comparer les deux versions parce qu'elle dit que le monsieur sait, la fille ne sait pas si le monsieur sait vraiment. Donc, elle a mis la fille dans de sérieux problèmes en lui dévoilant le secret. Comme ils ont dit que secret, ça doit être secret jusqu'à ce qu'elle aussi, elle ne décède, selon moi. Merci. OK, merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire encore à propos de la femme avant que je ne parle et donne la parole à la sœur Ilo avant le pasteur? Si quelqu'un a un mot à ajouter. OK. Je vais parler aussi de la fille après et les gens que vous vous préparez. Je vais parler. Mais au niveau de la femme,
il y a des suppositions que nous devons faire. Et dans ces suppositions, parce que, comme le pasteur le disait, il y a des brèches dans l'histoire qui ne nous permettent pas d'être précis dans notre analyse, mais nous allons supposer. Et dans ces cas, souvent, pour moi, mon analyse de la chose, c'est que peut-être l'homme et la femme, donc c'est une supposition, l'homme et la femme se sont dit que à un niveau donné, au niveau de la vie, c'est-à-dire qu'on prépare la fille jusqu'à un temps, on va lui dire le secret. Et malheureusement, l'homme est décédé. Donc, la fille aussi a besoin de connaître ses origines. Poussée par ça, la femme a livré le secret, a parlé de ça à la fille. Parce que c'est elle qui est concernée, ce n'est pas les autres. Donc, pour moi, d'abord, elle a choisi la bonne personne à parler. Elle n'a pas parlé à aller dire aux autres. C'est à la fille qui est concernée, parce que c'est ses origines. Elle doit comprendre ses origines pour sa vie. Donc, la dame n'a pas tellement mal fait, selon moi, mes analyses, en parlant de ça à la fille, parce que son papa, qu'il considère, n'est plus, mais il a un papa vrai, qui est biologique, qu'il peut aller. Donc, elle doit connaître ses origines. Elle a fait. Si les deux avaient décidé de livrer le secret, parce qu'avec l'âge, c'est-à-dire qu'on prépare la personne pour que la personne soit mature avant de lui dire la vérité dans ces cas. Ce que je peux dire, là où le bas blesse un peu, selon l'histoire, c'est que la dame s'est précipitée après la mort pour annoncer le problème. Condition, on a dit que la fille était enceinte ou bien elle a accouché, donc elle n'était pas dans son état et normal. On doit laisser passer l'histoire, tout le monde doit être revenir un peu, oublier la mort de l'autre avant de préparer la fille psychologiquement, avant d'annoncer le problème, avant d'annoncer ceci, pour qu'elle ne soit pas, elle ne reçoit pas le coup. Donc, ce qui a suivi nous montre carrément que la fille a eu, c'est-à-dire le choc en écoutant l'histoire, parce qu'elle ne savait rien de ça. Elle a douté un peu, mais ce n'est pas qu'elle doutait, elle a seulement posé des questions. Mais suite à ces questions, la réponse donnée aussi, ce n'est pas convaincant que ce n'est pas chose. Et la façon dont le père l'aimait, on doit vraiment la préparer avant de l'annoncer. Mais je n'ai pas su ici, c'est comme elle n'est pas préparée avant de dire le secret. Mais c'est ses origines qui sont en jeu ici. Et si on gardait ça jusqu'à la fin de sa vie, il y a des choses qui peuvent arriver. Et il y a peut-être un jour, il peut aller se marier à faire l'inceste. On ne sait pas. Son papa peut avoir d'autres enfants et son papa biologique. Et la fille peut aller se marier à ça. On doit considérer ces facteurs-là aussi. Donc, mais si c'est qu'ils avaient conclu, l'homme et la femme, de ne rien dire jusqu'à la fin de leur vie, confidence est confidence, comme le pasteur l'a répété plusieurs fois, la fois passée, où elle doit tenir parole à ce que les deux avaient décidé. S'ils avaient décidé de ne rien dire jusqu'à la fin de leur vie, donc ce n'est pas la mort. La mort du père ne libère pas de garder la confidence. Mais c'est pourquoi elle posait deux conditions. Mais s'il n'y avait pas ces conditions-là, si la dame pouvait dire ça à la fille, mais dans des conditions bien respectées pour qu'elle ne soit pas choquée. C'est mon point de vue, ce n'est pas universel, ce n'est pas moi aussi j'analyse à ma façon, et c'est ce que moi j'ai vu que ça peut se faire, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, médicaux, sociaux, beaucoup de choses. Donc,
C'est pourquoi moi, je suis ça, ça comme ça. Donc, Daphilo avait envie de dire quelque chose avant quand j'ai dit non. Donc, je vais. Elle dit qu'elle a une réponse à la question de la dame. Peut-être quelqu'un l'a déjà dit ou pas. Donc, je lui donne la parole avant de remettre la parole au pasteur. Non, ce n'est pas une réponse, c'est une suggestion. Ah, ok. Ma pensée aussi. Yeah. Ce que je voulais dire de la maman, peut-être elle est bouffée, elle est couronnée. Elle se contente. Culpabilisait d'avoir été chez un homme pour concevoir cette fille devant le papa adoptif, devant son mari. Peut-être c'est pourquoi elle a attendu la mort. C'est l'occasion de parler à la fille. Peut-être c'est mon point de vue aussi. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce point avant d'aller sur la question de la fille? La fille aussi a géré le sucre. Je voudrais, comme c'est, je pense que c'est un film, bon, ce n'est pas... Non, pas un film, c'est qu'on a raconté à la télé. C'est une histoire vraie. C'est pas un film, c'est une histoire vraie. Bon, si c'est raconté à la télé, celui qui a raconté n'a pas tout donné. Bon, un... par rapport au sujet que nous étudions. Bon, si on va parler de confidence en réalité, c'est entre la femme et le mari défunt. Mais on ne peut pas parler de confidence à elle seule. Bon, je voudrais qu'on voit ceci. Nous ne savons pas d'abord quelle est la culture de ce couple? Mais prenons la culture africaine. La femme et son mari défunt peuvent s'entendre. C'est là où il y a confidence. Peuvent s'entendre. Bon, je vais te protéger. Et tu vas me protéger aussi. Parce que si ma famille sait que tu as ramené une grossesse, je ne pourrai pas te garder. Alors que moi, je vais te garder. Bon, je vais te protéger, madame, parce que c'est une honte que pour ce temps de... Parce que je ne sais pas le temps de mésentente entre elle et son mari. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Bon, est-ce qu'elle a quitté le foyer ou bien elle était dans la maison et elle sortait? Bon, on ne maîtrise pas ça. Bon. Donc, s'il y a confidence entre elle et son mari, si elle a dit cela, elle n'a pas honoré la mémoire de son mari. Elle devait honorer la mémoire de son mari. Et puis, n'oublions pas ceci, puisque la sœur dit que l'enfant a demandé déjà dans l'enfance, est-ce que vraiment je suis le père ou bien je suis de la famille, pourquoi je ne ressemble pas à mes frères et sœurs? Cette question ne doit pas être prise à la légère. Est-ce qu'elle n'a pas eu de soupçons? Est-ce qu'elle n'a pas eu vent? Parce que si elle ne ressemble pas à son père et à sa sœur, est-ce qu'elle ne ressemble pas à sa maman un peu? Pourquoi cette curiosité? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a filé quelque part? C'est pourquoi je parlais de confidence, que ça peut jouer vraiment sur la confidence. Mais pour la femme, elle n'a pas honoré, si elle n'a pas dit cela du vivant de son mari, et son mari est mort. Et elle s'en va maintenant dire, elle n'a pas honoré la mémoire de son mari. Parce que si son mari était en vie, est-ce que c'est comme ça qu'elle allait parler? Voilà mon analyse. Merci. Merci, pasteur. Vraiment, nous voyons ça comme à la légère, mais c'est des choses qui peuvent arriver pas forcément à nous, pas forcément à quelqu'un qui va aller découcher, avoir un enfant, mais
il peut y avoir des cas où tu connais, tu sais que, c'est-à-dire que là, quelqu'un t'a fait une confidence que celui-ci-là n'est pas de mon mari. Je l'ai eu avec tel homme. Et la pression vient. Est-ce que tu vas dire ça? Est-ce que tu ne vas pas dire? Est-ce que quand l'enfant aura besoin? C'est-à-dire que des circonstances peuvent arriver dans la vie. Si c'est une confidence qu'on t'a fait, là, dans ce cas, ce n'est pas toi de dévoiler ça. C'est à la maman ou concerné de le dire. Ici, c'est le concerné qui parle. Donc, nous sommes toujours en train d'analyser. Nous ne disons pas que c'est la conduite à tenir, c'est ça ou pas ça, parce qu'on ne maîtrise pas toute l'histoire, les données de l'histoire. Donc, ici... C'est comme quelqu'un demande la parole, je vous donne la parole. Ah, merci beaucoup, mon orateur. Puisque nous sommes dans la confidence, je crois que, au-delà de tout, l'histoire, elle n'est pas mauvaise pour traiter de la confidence. Parce que, pensez-vous que on peut satisfaire aux règles de la confidence, même au prix de sa santé? Parce que je perçois ceci comme le cas. Vous savez, entre l'homme et la femme, ce qui pèse beaucoup plus le poids de la confidence, c'est le fautif. Celle qui a commis l'erreur, pour que cela arrive, il y a d'abord le poids de l'erreur et le poids de la confidence. Ça pèse énormément sur elle. Et ça peut la rendre malade. Ça peut la déséquilibrer aussi émotionnellement. Ça peut même désorienter sa vie si elle n'est pas une personne forte de caractère. Est-ce que, au nom, cela fait appel à une autre préoccupation qui est celle-ci? Est-ce qu'au nom du principe de la confidentialité, on peut sacrifier sa santé aussi? Est-ce que la confidentialité doit être gardée à tout prix? C'est une question. Bon, n'oublions pas ceci. Il y a eu mésentente. Il y a eu un temps où le couple ne fonctionnait pas en tant que couple. Parce que si c'est qu'il n'y avait pas cette particularité aussi et qu'elle était au foyer, et elle est partie maintenant faire une infidélité, elle a attrapé une grossesse, on le traite autrement. Mais ici, il y a eu un temps flou. Et ce temps flou-là, je dis, on ne maîtrise pas le paramètre. Est-ce qu'elle a quitté, elle est partie rester chez ses parents avant qu'elle ait attrapé la grossesse? Bon, est-ce qu'elle a divorcé avant d'attraper la grossesse? On ne sait pas. Vous voyez, pour la fille ne fait que chercher son origine. La fille n'a rien fait. Elle est en train de chercher son origine. Bon, maintenant, quand le frère Sénat disait qu'il pouvait avoir un cesse, bon, je voudrais vous rappeler que la fille est déjà mariée parce qu'elle a déjà des jumelles. Donc, si elle n'est pas mariée à son frère, à moins qu'elle ne divorce avec... le père de ses jumelles, et qu'elle veut se remarier, là, elle pourrait tomber dans l'inceste. Si la maman n'avait pas dit. Mais comme elle est déjà mère, donc, même si la maman n'a pas dit, elle ne pourrait pas tomber dans l'inceste, à moins, je dis bien, à moins que ce premier foyer n'allait pas et qu'elle voulait se remarier, là, probablement, elle pouvait tomber sur son propre frère. Merci. Merci. J'ai voulu aussi pas. Anissa a fini? Oui, j'ai fini. Okay. Je remercie le pasteur pour son intervention, mais j'ai quand même l'impression que le pasteur n'a pas adressé ma préoccupation.
Vous voulez que le pasteur adresse une préoccupation? Oui, ma préoccupation majeure était, est-ce qu'on doit garder la confidence même au prix de sa santé ou à n'importe quel prix? Ok. Vous voulez que le pasteur adresse cela. Pasteur, c'est à vous. Ah non, pas forcément le pasteur. Bon, c'est... Dans ce cas pareil, il y a eu une préparation. Même si c'est dans le monde non chrétien, il y a des psychologues, tout ça là. Il faut prendre des dispositions. Bon, c'est vrai qu'elle a dit la vérité à sa fille. Mais est-ce qu'elle a préparé le vrai père? Est-ce qu'elle a dit au vrai père? Bon, tu sais bien que cet enfant, c'est ton enfant. Celui qui l'avait adopté n'est plus. Le moment est arrivé pour que je puisse dire à la fille que tu es son vrai père. Est-ce qu'il y a une préparation psychologique? Est-ce que... parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ici. Elle pouvait connecter le vrai père avec la fille pour remplacer l'amour que la fille avait du père adoptif. On ne va pas voir seulement sa santé parce qu'elle a détruit aussi sa fille. Elle a détruit son... Elle a détruit... C'est trop fort. Elle a détruit sa fille. Elle a détruit le foyer de sa fille. Donc, elle a détruit la vie de son gendre. Elle a détruit la vie de ses petits-enfants. Pour elle seule. Si c'est sa santé à elle seule, à cause de sa santé seule, il faut voir la panoplie de toute la destruction qui suit. Je m'arrête et je ne sais pas si Alicia est satisfaite maintenant. Ok, merci. Maintenant, on a parlé aussi de la fille qui, on a dit de ne pas dire à personne, mais la fille est allée dire à sa grande sœur. Est-ce que la gestion là-bas, qu'est-ce que vous trouvez dedans? Est-ce qu'elle a bien fait de dire à sa grande sœur ou est-ce que... Je veux deux personnes qui vont parler là-bas. S'il n'y a pas de volontaire, moi-même, je vais les désigner. Je m'auto-désigne comme volontaire. Non, tu as déjà parlé. Donc, si on ne trouve pas, c'est là où je vais revenir sur toi. Ok, pas de souci. Je veux d'autres personnes comme la sœur Chantal, comme le frère Evans. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un peu de temps, mais nous avons un peu parce que nous avons se préparer, nous avons un peu de temps. Ça veut dire que nous avons un peu de temps et les casser, les toucher. C'est ça. Merci. Ok. La sœur est en train de dire que selon elle, la fille a eu des chocs et elle ne pouvait que parler parce que elle ne s'attendait pas à ces informations. Et comme elle a eu ces informations-là, elle est cassée, elle n'est plus en elle-même, elle ne pouvait que parler. Heureusement qu'elle a choisi sa grande sœur pour parler et la grande sœur aussi a bien réagi en disant que elle est toujours sa sœur. Si c'est
elle n'est pas de son père, même père ou même nom, même père, ça ne fait rien. Donc, pour elle, la fille, elle ne peut que parler. Yeah, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. La révérence. Alléluia. Amen. Oh, un soubou, y'a ma boîte. Oh, Ponpo. Bon, je voudrais m'aligner sur deux personnes. Je voudrais m'aligner sur le pasteur concernant la maman. Ok. Parce que, à mon humble avis, voilà une femme criminelle qui a détruit tout le monde sur sa ligne. Peut-être même ce monsieur est mort à cause de ce secret. Et il n'y a de secret que lorsque, dans ce cas précis, qu'on se sent coupable de quelque chose. Je ne prétends pas que Dieu ne va pas lui pardonner. Je ne dis pas ça. Mais son mea culpa vaudrait mieux que de la déculpabiliser. Donc, ce secret-là qui a été donné à sa fille, c'est une façon de dire à la fille, va maintenant vers ton vrai père. À partir de maintenant, tu n'as plus pour père celui qui est décédé. C'est une façon de congédier la fille du premier, de la première famille. Bien sûr, c'est un choc pour la fille, mais en même temps, c'est un, comment dit-on, c'est un, une levée de boucle sur cette vérité-là que la maman a gardée pendant des années. Donc, à mon humble avis, Chantal a raison, la fille peut, peut repartir maintenant chez son père et là-bas, elle ne va pas se taire, elle ne va pas lui dire que j'ai un secret. Non, tout le monde doit l'accepter dans la nouvelle famille. Donc, il n'y a plus question de secret là-bas. Mais c'est la maman qui paye pour tout le reste. Merci beaucoup. Merci au grand frère. Frère Evans. Allô? Amen. J'espère que les précédents ont abordé ce que je voulais dire. Moi, je pourrais dire que la fille a bien agi. Elle ne veut pas endosser cette responsabilité. Si nous retournons un peu en arrière, sa tante connaît déjà le secret. Et s'il y a confidence, c'est comme le pasteur venait de le dire, c'est entre le père adoptif et la maman. Maintenant, que sa maman vient révéler le secret, la confidence, et que sa tante aussi... Sa tante aussi était déjà au courant. Bon, la fille ne peut pas garder cela comme... ne peut pas garder ce poids. Elle veut se libérer parce que le poids est trop lourd pour la fille. Elle veut se libérer. Moi, je crois qu'elle a raison d'aller vers sa grand-sœur pour lui dire la vérité. C'est ce que j'ai à dire. Ok, merci au frère Evans. Amissé avait demandé la parole. Par intelligence du jury, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour votre demande. Ok, bon, c'est vrai que les frères qui m'ont précédé ont couvert ce que je voulais dire, mais toutefois, ceci ramène encore ma préoccupation. Parce que dans leur réponse, c'était clairement lisible que ma préoccupation était. Leur réponse était qu'il fallait qu'elle se libère. C'était trop pour elle. Donc, la question est toujours là. Est-ce qu'on doit garder toute confidentialité à n'importe quel prix? Alléluia. Allez-y. Amen. Je ne peux pas déjà finir, je voulais répondre.
Ok, il faut parler. Anissi, on peut l'interrompre à tout moment et il va revenir. Moi, je pense que si la maman, elle avait le droit de refuser de garder cette confidence entre elle et son mari ou bien d'accepter. Si elle a accepté, elle doit subir les conséquences. Comme ça, si elle, autre, elle n'a pas voulu garder ça, c'est pour ça qu'elle a parlé de ça. Donc, si la maman, elle pouvait dire à son mari, non, je ne peux pas, je dois dire ça à notre fille, je dois dire ça au reste de la famille, que l'enfant ne t'appartient pas. Là, maintenant, il n'y aura pas de problème. Mais quand elle a accepté de garder le secret, elle doit garder ça et puis subir toutes les conséquences qui vont sortir de ce secret-là. Merci. Merci. Est-ce que je peux parler? Moi, je voulais dire ceci, pour parler de la fille, parce que nous sommes au niveau de la fille. Pour la fille, elle, on ne peut plus dire qu'elle doit garder le secret, parce que comment on peut rejoindre son papa en secret? Est-ce que c'est possible? Parce que tu es dans la maison, peut-être quand je veux déménager d'ici maintenant à Silver Spring, même si je ne dis pas aux gens que je ne suis plus ici, dans le temps, tout le monde saura que je n'habite plus en Hongrie. Donc, si la fille doit partir de la maison, comment elle va le faire, où elle va y aller, revenir, tout ça, tout le monde saura en même temps que c'est ce qui s'est passé. Donc, pour la fille, on ne peut même plus dire qu'elle a gardé le secret ou bien elle ne l'a pas gardé parce qu'on ne peut pas avoir un parent, un père en secret, si c'est dans un village ou bien là où ils sont, je ne sais pas, mais ce n'est même pas possible de dire que elle doit dire à quelqu'un ou bien elle doit garder le secret. Merci. Anissé, merci beaucoup, le frère Anissé, de m'avoir accordé quelques minutes. Je vous en prie. Ce n'est pas moi qui accorde la parole. Mais merci beaucoup pour la courtoisie. OK. En fait, la question d'Anissé, est-ce qu'on doit garder à tout prix? Ça dépend du contenu, ça dépend de l'ampleur de ce que ça va donner. Il faut, selon moi, il faut juger, il faut voir l'impact, il faut voir beaucoup de facteurs avant de répondre à cette question. On ne peut pas répondre à cette question comme ça, dire oui ou non. Mais ça dépend du cas, ça dépend de l'impact que ça va causer, des conséquences que ça va donner sur la révélation de la confidence et de la non-révélation de la confidence. Les deux, on doit juger les deux et voir pour qui on travaille là-bas. Est-ce qu'on travaille pour la destruction ou on travaille pour la reconstruction avant d'agir? Des fois, je connais que c'est dur, c'est très difficile à gérer, mais que le Seigneur nous donne la force nécessaire de pouvoir le faire. Je n'ai pas écouté cette personne aujourd'hui parler. Je ne le vois même pas en ligne. Okay. Enseignant. Pasteur. Bon, l'ancien a employé un mot, bon, et c'est vraiment fort. Il faut qu'on revoie. Parce que tout tourne, en toute franchise, tout tourne autour de la femme. Tout tourne autour de cette femme. Parce que l'ancien a demandé, est-ce que le mari n'a pas souffert de cela jusqu'à mourir? Parce que le mari savait, le mari en supportant cet enfant, est-ce que la femme a pensé au poids que cela pesait sur son mari? Bon, même après avoir dit, c'est comme je le disais, quand la fille est partie dire à sa grande sœur, imaginons ensemble la souffrance psychologique. Que ce soit de la famille adoptive, que ce soit de la vraie famille, quand elle va retourner en famille, imaginez la moquerie que le vrai père va subir. Tu as fait un enfant, tu n'as pas pu supporter, c'est quelqu'un qui l'a supporté, et c'est maintenant, quand elle est devenue grande,
que tu te présentes comme père. C'est juste un exemple. Imaginez la souffrance psychologique que les sœurs et frères adoptifs et adoptifs vont subir. La maman s'est mal prise. Elle s'est très, 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 très mal prise. Voici ma conclusion. Merci. Merci. Et pour l'enfant et la fille, c'est que l'histoire aussi nous dit que la fille a eu la dépression, elle a rejeté tout, elle a perdu son mari. Donc, le moyen psychologique pour se développer, pour guérir de cette dépression est de parler. Si elle ne parle pas, selon la psychologie, elle ne sera pas guérie. Elle aura le poids sur elle-même. Donc, la façon de se confier à quelqu'un, à sa grande sœur, c'est très bien parce qu'elle n'a pas un secret. C'est vrai, sa maman, avant de parler, a dit de ne pas dire à quelqu'un, mais elle peut agréer, elle peut dire oui. Je vais te dire quelque chose, il faut pas dire à quelqu'un, tu peux dire oui, parce que tu veux écouter ce qu'on veut dire. Mais en écoutant ce qu'on te dit, c'est là où tu décides vraiment de garder ou de ne pas garder. Donc, je ne pense pas qu'en écoutant sa maman lui dire que tel que M. K n'est pas ton papa, c'est M. H qui est ton papa, et elle va se dire, oh, je ne veux pas parler. Non, elle serait déprimée en même temps, le choc serait grand. Donc, il n'y a pas une confidence entre, c'est-à-dire un secret entre la fille, comme les autres, les uns et les autres, et sa maman. Il ne devait pas avoir, parce que c'est trop lourd, et elle ne peut pas supporter cela, ça se taire. Et les autres réactions que les uns et les autres ont évoquées aussi, c'est vraiment pertinent. On ne peut pas dire qu'il y a une confidence entre la fille et sa maman et que la fille doit se taire. Non, elle ne peut pas se taire parce que quand elle va devenir folle avec ça, parce que d'abord, on ne l'a pas préparée. Deux, c'est affaire de famille, c'est-à-dire de rechercher l'autre famille. En se taisant, elle ne pourrait jamais rechercher la famille, sa famille biologique, donc ses origines. Mais le rôle de la maman, en disant cela, nous comprenons qu'elle veut, comme le grand frère l'a dit, que la fille aille chercher ses origines. Donc, elle ne peut même pas dire de ne pas dire à quelqu'un ça. Une fois qu'elle a ouvert la bouche, ça veut dire qu'elle donne l'ordre que l'affaire soit publique. Maintenant. Donc, c'est aussi mon point de vue sur le problème de la fille. Donc, Alléluia. La et tout le monde ont bien réagi par rapport à l'histoire. Oui, grand frère. Bien. Ticha, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Ça va. Dire la vérité sur quelque chose qu'on a fait, qu'on a caché, à sa fille, n'est pas secret. Il n'y a pas de secret en révélant à sa fille le nom de son vrai père. Où est le secret maintenant? Il n'y en a pas. Donc, je voudrais que le frère Rensé voit là que la fille, elle, le mieux qu'elle a pu faire, c'est de s'annoncer aux autres comme étant la fille de son vrai père. C'est tout. La mère n'a qu'à payer pour ce qu'elle a semé. Donc, j'ai voulu seulement préciser que il n'y a aucun secret qui liait cette femme à sa fille. Il n'y en a pas. Elle a dit la vérité et ça, Dieu lui en rendra sa part. Elle a dit la vérité à sa fille. La vérité de ce qu'elle a caché envers elle-même, pas envers la fille. Elle l'a caché envers elle-même. Merci. OK, merci.
Daphilo. Non, avant que vous ne remettiez la parole à Daphilo, si vous voulez. OK. Merci bien. J'ai quand même l'impression que nous faisons d'un poids deux mesures et que nous ne sommes pas en train d'admettre quelque chose. Et c'est à cette conclusion-là que je vois tout le monde tourner autour de la conclusion. Alors que la conclusion, tout le monde le dit, et même dans, en fait, dans les arguments que nous avançons, ça sort clairement. Mais personne n'ose faire cette conclusion-là. Généralement, avant que quelqu'un ouvre la bouche pour dire de telles choses à quelqu'un, la première phase, c'est « garantis-moi que tu ne le diras nulle part ». C'est vrai que de façon factuelle, livrer une telle information est orienter l'enfant vers son père. Et l'enfant ne peut parler vers son père en secret. Donc, j'enlève ces paramètres-là. Mais puisque nous parlons de la discrétion, puisque nous parlons de la confidence, je voulais qu'on s'en tienne à la confidence. Parlant de confidence, la maman aurait certainement demandé à sa fille, garantis-moi que tu ne diras ça nulle part avant que je ne te dise ce que j'ai à te dire. Mais personne d'entre nous n'a trouvé aucun problème. On a plutôt trouvé que c'est soulageant, c'est thérapeutique même pour la dame, pour l'enfant, de s'exprimer pour pouvoir se dire. Pourquoi on ne vient pas à la conclusion? Ce n'est pas toutes les confidences qu'on peut toujours garder confident. L'oracle, il faudrait qu'on conclue. Parce que, en fait, je dis ça à cause de ce que le pasteur avait dit. Du moment où tu as fait le vœu, tu as accepté qu'on te dise la confidence, ça restera confident. Et c'est ça qu'on corrige un peu, qu'on ajuste un peu. Ou non, ça dépend de ce qui en découlera. Si ce qui en découlera fait plus de peine, cause beaucoup plus de temps, non, il faut se libérer de ces moments-là et sauver de vie et se sauver soi-même ou choisir ce qui va apporter plus de paix ou plus de soulagement au concerné. C'est ce que je pense. Et c'est à cette conclusion-là, puisqu'on parle de, en réalité, le sujet dont on débat, c'est la confidentialité qui nous a amené là. Et je voudrais que la conclusion soit liée à cela. Est-ce que toute confidentialité, c'est confidentialité, tu gardes ça à la mort? Oui, non. Concluons ça avant que vous ne... Frère Anissé, est-ce que la vérité dite à la fille, la confidence dite à la fille, c'est une confidence qui concerne une autre personne ou bien ça la concerne? Les deux. Non. Ça concerne son papa, ça la concerne, et ça concerne également le père adoptif défunt. Quand on lui a dit, si par exemple, bon, vous savez, c'est un cas, il y a des cas d'autres qui peuvent même arriver en milieu chrétien. Quelqu'un avait touché ce cas de couple chrétien. Il y a des couples chrétiens, par exemple, soit la femme n'arrive pas à concevoir ou bien c'est l'homme, bon, et ils s'entendent. Et ils font la fécondation in vitro. Parfois, il y a des donneurs anonymes. Ça, c'est dans l'éthique, ça. Il y a des donneurs anonymes. Quand l'homme et la femme s'entendent, ils s'entendent plutôt, et que la femme, ou bien ils s'en vont chercher le spermatozoïde anonyme, on ne connaît même pas le père. Si ça pèse sur la femme, dans ce cas-là,
elle va dire à son enfant qui est son père. Ici, elle a révélé, ton père est là. Celui-là était ton père adoptif, mais ton vrai père est là. Et quand on lui a dit cela, elle ne peut que rechercher son vrai père. Parce qu'on lui a déjà donné la piste. C'est sur cette piste-là qu'elle a même retrouvé la tante qui a confirmé que quelque chose comme ça existe. À son niveau, ce n'est pas une confidence qu'elle est en train de livrer. La fille n'est pas en train de livrer une confidence. Elle est en train de chercher la vérité de son origine. Ce n'est pas une confidence là-bas qu'elle doit garder. Merci. OK. Je pense que le point qu'Anissé a voulu faire ici, c'est que en disant, quand quelqu'un te dit, je vais te dire quelque chose, il ne faut pas dire, et tu acceptes avant qu'on te dise. Et maintenant, ce que tu attends n'est pas quelque chose à garder. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ça? C'est-à-dire, il voulait, à part ce que le pasteur a dit, il a fait ce point aussi, si je l'ai bien compris. C'est-à-dire que quelqu'un, je veux te dire quelque chose, et je te dis, non, il ne faut pas dire, avant même d'écouter la chose, tu acceptes. Mais est-ce que ça te lie de ne pas parler parce que tu as accepté ça avant qu'on ne te dise la chose? C'est comme ça que j'ai compris un peu son point. Est-ce que c'est ça? Vous avez été très fidèle. J'ai compris l'idée comme ça. Si la vérité, la confidence qu'on lui a dite concernait une tierce personne, la confidence reste confidence. OK. J'allais juger autrement. OK. Mais ça la concerne. C'est elle-même qui... Elle n'est pas confidente. Comment je peux garder mon secret moi-même? C'est la question à laquelle on doit répondre. Est-ce que la fille garde un secret quand c'est elle-même? Est-ce que, frère Anissé, tu as un secret que tu peux garder pour toi-même, qui est secret pour toi-même? C'est comme quand Anissé parlait, les gens qui sont venus. Quand le frère Anissé parlait, l'exemple qui est venu dans ma tête pour répondre, c'est que supposons que j'ai tué ton père. Et tu cherches le coupable depuis. Et je viens à toi, je dis, je vais te confier un secret, il ne faut pas dire à quelqu'un. Tu as dit, OK. Et je te dis que c'est moi qui ai tué ton père. Le coupable que tu cherches depuis là, il est venu à toi, il te dit, il ne faut pas dire à quelqu'un, tu as dit, OK. Et il te dit que c'est, je suis le coupable dont tu cherches depuis. Il ne sait pas, il ne t'a pas confié un secret, mais il s'est révélé à toi. C'est comme ça, moi, je comprends. Il s'est révélé à toi. Ce que ça dit que tu as vu le meurtrier de ton papa. Ah. Donc, les réponses que nous donnons, oui, avant là, normalement, on doit réagir que quand tu dis, il ne faut pas dire que je vais te dire quelque chose, il faut dire que ça dépend de ce que je vais attendre quand même. Et ça aussi, c'est bien. Mais si on n'a pas dit, c'est à la suite, quand tu as écouté l'histoire, et quand tu as écouté ce qu'on t'a dit, et tu dis, oui, je vais garder, là, ça devient, c'est-à-dire qu'une confidence totale. Tu as donné ta parole maintenant. Mais quand tu as écouté ce que tu dis, que ça te concerne, ça concerne l'autre, tu sais que ça, tu ne peux pas te taire. Fais savoir à la personne, ça, je ne peux pas te taire, me taire sur ça. Oui, que je t'ai donné là, nous lis pas en rien parce que je ne connais pas ce que tu vas me dire. Et ici, dans ce cas précis dont on parle là, c'est une révélation, c'est ce que le pasteur dit, c'est que ça concerne la personne même. On te dit que celui-ci n'est pas ton père, mais c'est celui qui est ton père. Tu vas obligatoirement t'envoyer vers ton réel père. Donc, ce n'est plus, tu vas aller là-bas, ce n'est plus un secret. Donc, c'est une révélation. Bon, au cas où ce n'était pas une révélation, et ça concernait quelqu'un d'autre. Et là, à la suite de ça, en même temps, si tu ne peux pas garder, tu dis à la personne que je ne peux pas garder. Mais si tu donnes, après avoir écouté, tu donnes ta parole que je vais garder cela,
là, ça devient quelque chose qui te lie. Tu as prononcé « je vais garder ». Là, ça devient une confidence totale. Mais si tu ne peux pas garder, réagir en même temps devant la personne que je ne suis lié en aucun cas avec ça. Parce que si ça peut être là, ça, moi, je ne peux pas garder ça. Ça, c'est trop fort pour moi. Parce que si tu ne réagis pas, parce que tu ne connais pas dans quoi la personne t'amène avant de dire, tu ne peux pas me dire de jurer avant de me dire quelque chose. Parce que je ne sais pas ce que tu vas dire et je ne peux pas. Mais quand tu dis, je vais te dire quelque chose, tu ne vas pas dire à quelqu'un, tu ne te promets pas définitivement. Mais oui, là, ne te promets pas définitivement. Ça dépendra de ce que tu vas me dire. C'est comme ça, moi, je conçois. D'autres peuvent varier, mais il est leur. Je pense que ce que tu as dit, bon, voyons même le cas des gages dans la parole de Dieu. Vous rappelez de le gage que c'est ma mémoire ne répond pas bien. Judas et Tamara. Voilà. Tamar. Et Judas. il a pris un engagement. C'est une alliance. Bon, quand c'est sa fille qui est sortie, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, passe pas de Jephté. Voilà, c'est Jephté avec sa fille. Il ne pouvait que tenir à sa parole. Le chrétien doit tenir à sa parole. Mais ici, comprenons bien, la fille, excusez-moi, ce n'est pas une confidence. Parce que c'est elle-même. Mais si on lui avait dit, hey, tu vois, telle fille-là, ce n'est pas son papa, ça. Son papa est ailleurs. Mais ne dis pas. Et elle accepte de pas dire, elle ne doit pas aller dire, ah, ma fille, ma soeur, va chercher ton papa. Là, elle a brisé la confidence. Mais ici, c'est à elle qu'on lui a dit la vérité qu'elle même cherchait depuis. Merci. Oui, ma maman ne peut pas me dire que mon père que je connais n'est pas mon père et que c'est l'autre qui est mon père et me dit, ne parle pas. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas me dire ça. Ma maman, c'est elle seule qui sait avec qui elle a eu ça, ma grossesse. Donc, elle ne peut pas me dire, celui-ci est ton père, celui-ci n'est pas ton père, mais ne parle pas, mais garde ça. Non. Tout le monde a envie de connaître ses origines et d'aller en profondeur avec. Donc, ça, nous devons comprendre ça comme ça. Oui, merci beaucoup. Là, Philo, on ne t'a pas oublié. Hein. Il faut dire un mot, on va pas. Tu es satisfaite? Ok, comme elle ne parle pas, et qui est là? Elle est toujours sur mute. Ok, au revoir. Je travaille sur le WhatsApp de l'église. Tout le monde pourra voir ça.